Le premier à rentrer, c'est Joey. Alors, je pense que Joey, tu es le seul à pouvoir voir là. Non. Tout le monde voit? Ouais, je suis le seul à pouvoir voir, ouais. Ah, je vois ouais, en tout cas. Ouais, c'est excellente réponse, merci. Non, les autres, vous voyez toujours. Vous voyez la mairie, les autres? On voit tout l'intérieur. On voit tout. Ah, on voit voyez tout, tout. Vous voyez tout. On voit même tout, à travers les portes. Pourquoi vous voyez tout? Ouais, on est en vue. En vue vachement bien, c'est le mot exact. Okay. En vue pleine, on sait tout, on va pouvoir lui indiquer le trajet. Donc on va faire comme si vous voyez pas. Donc peu importe, après voilà. Joey, donc quand tu rentres là, je te mets juste là. Tu vois non, en fait... pour un village qui a pas de pognon, il y a du marbre partout. Ouais. Tu vois qu'effectivement, donc là ouais, la mairie, tu vois, en fait quand tu rentres c'est très classe, alors c'est beaucoup plus propre que tout ce que tu as pu voir, donc le peu que tu as pu voir c'est chez le docteur Salmon, c'était dégueulasse, chez Pete, par terre tu peux pas, enfin voilà, déjà ça salit tes pieds quand tu marches par terre, tu vois. Chez Danny, c'est une casse. Enfin voilà. Et là, étonnamment, Joey, tu vois que c'est très propre. C'est voilà. Et tu vois donc effectivement, il y a deux. Au fond. Du coup, je lâche un gros. Et puis je m'essuie les pieds en rentrant comme ça. Et je regarde un peu tout autour de moi. Donc, d'un premier coup d'œil, tu vois juste ici là, les deux soldats. Tu vois que ce sont des hommes de main, effectivement. Tu les repères parce qu'ils ont l'arme. En fait, là c'est le token, mais ils ont la main sur l'arme, tous les deux. Et en fait, tu as une jeune femme qui vient vers toi, et qui s'approche et qui vient te voir et qui te dit. Je peux t'aider, petit? Tu t'es perdu? Non, mais oui, vous pouvez m'aider. Je cherche du boulot. Du boulot, c'est-à-dire? Arrêtez. C'est tout ce qui se passe ici. Ah, et qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi tout. Écoutez, si même un enfant qui tend un peu l'oreille dans la rue peut entendre ce que vous manigancez parfois ici, n'importe qui peut le savoir. Moi, je manigance et elle te fait un grand sourire. Oui, vous manigancez. Et puis je lui dis à l'oreille. Tu m'arrêtes de parler comme ça, cette conne. Tu diètes. Comme ça. Tu vois, au début, je fais le gamin et puis après, tu diètes. Avec la vieille voix. Comme ça, elle voit que c'est pas un gamin ordinaire. Mais tu as un problème. Donc, tu lui dis réellement du jet directement? Ouais. D'accord, ok. Donc, elle sourcille même pas, elle a toujours son grand sourire, et puis elle dit « Tu cherches du jet à ton âge ?» Oui, mais seulement pour en vendre pour vous. Parce que voyez-vous, je suis un très bon négociant. Pour en vendre pour moi? Oh là là. Mais tu te fais des idées sur moi, en plus on se connaît même pas, jeune homme. Est-ce qu'elle est plutôt jolie? Ouais, plutôt. Ah mais si vous voulez, on peut apprendre à se connaître. Si je lui fais un petit clin d'œil. Et du coup, elle s'approche de toi. Elle t'attrape la joue là. Si tu te laisses faire, elle t'attrape la joue et elle te dit oh t'es trop mignon toi. Et elle se recule. Ok, j'ai compris. Est-ce que je peux parler directement à votre patron? Elle t'a infantilisé, quoi. J'aimerais parler affaires, mademoiselle. Alors, malheureusement, je peux pas te laisser parler avec le maire. Par contre, si tu connais des gens qui sont doués avec des armes, on aurait bien besoin de quelqu'un parce que le maire, il est dans un état un petit peu compliqué, là. Alors, je vais pas trop t'en dire parce que voilà, tu n'es qu'un enfant, mais en plus, je ne sais pas si tu as encore tes parents, mais il a perdu son fils et il voudrait bien que quelqu'un le retrouve. Tu connaîtrais quelqu'un? Et ben voilà un fils de substitution. C'est cadeau. C'est cadeau. J'ai vu un camé une fois dans la rue qui disait qu'il était pas trop mauvais avec une arme. Mais je pense pas que ça puisse vous intéresser. Moi par contre. Moi par contre, je suis plutôt doué. Hein. Ah. D'accord. Mais malheureusement, à toi tout seul, je crois pas que ça puisse le faire. Ah,
rien n'empêche de recruter. Vous avez déjà un homme de main de plus. Je vous l'ai dit, je cherche du boulot, moi, je suis en rate de capsule. Bon. Et donc là, elle garde toujours son sourire et elle te dit, bon, je suis désolé, il va falloir que je retourne auprès du maire. Si tu trouves quelqu'un qui peut nous aider à retrouver le fils du maire, n'hésite pas. Demande-lui où chercher. Et donc, où sont vos toilettes? Elle se retourne. Ah, je suis désolé, c'est à l'étage, tu ne peux pas y aller. Vous allez me laisser pisser ici. Quand tu dis ça, elle te, tu vois, tu sais, tu sens qu'elle change un tout petit peu de visage et elle te dit, tu veux que je te fasse raccompagner dehors? Ça dépend. Ça dépend si vos hommes de main tiennent la sécheresse de leurs pantalons. Et donc en fait, tu vois l'homme de main là, qui s'approche tout doucement, parce qu'il voit que ça traîne en longueur avec toi, il s'approche tout doucement. Mais pas méchamment, pas, voilà, tu sens pas la menace arriver, tu le vois s'approcher tout doucement. Qu'est-ce que tu fais? J'insiste auprès de la demoiselle, j'y allais, s'il vous plaît, je peux bien aller aux toilettes. Ouais, vas-y, mademoiselle, laisse-moi... Parce qu'il y a les hommes dans les rues, quand ils me regardent faire pipi, ils disent des choses bizarres. Je m'attendais pas à ça. Ils veulent toujours jouer à touche pipi. Mais moi, j'aime pas touche pipi. Donc non, elle te répète que l'accès au premier étage est réservé. Elle te dit pas de faire toucher dans la rue, arrête de m'emmerder. Elle te répète que l'accès, donc je suis désolé, l'accès au premier étage, il est réservé au personnel et il est réservé à ceux qu'on aimerait embaucher pour le petit travail dont on a besoin de faire. Et je vous dis que je cherche du boulot, embauchez-moi. Eh ben reviens avec une équipe. Et quand tu seras dans une équipe un peu plus solide que toi tout seul, et ben tu reviendras. Ok, donc, moi je suis pas solide. Et donc, cette fois, ok, et puis je pars d'un air refroidi. Ok, donc, tu vois qu'elle te garde du coin de l'œil en sortant. Et puis je sors. Ok. Super triste. Tac. Donc, maintenant que vous êtes tous devant la mairie, on est d'accord, hein. Oui. Ok. Donc vous êtes tous devant. Donc vous êtes tous devant la bâtisse de la mairie là. Alors moi du coup je pars comme si je les connaissais pas quoi. Et pourquoi nous on pue l'alcool du coup docteur? Du coup je prends un air bien dégoûté quand je me casse pour qu'ils comprennent que ça n'a pas marché quoi. Parce que c'était prévu qu'on y aille tout le monde ensemble, qu'on fasse notre show et que Joey en profite pour rentrer discrètement. Ah mais là pendant que vous allez faire votre show, moi en fait je vais essayer de trouver une fenêtre parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres pièces. Je peux te jeter sur le toit, je sais pas. Non, on va déjà te demander comment ça s'est passé avant que... Non. Mais non, mais je ne vous connais pas. Ah, je ne vous connais pas. Bah là c'est un peu con d'être devant la mairie puis dire voilà je sais pas bon oui ok bah je ne sais pas. Non, on va s'en tenir au plan, moi normalement perso il a pas entendu ce qui s'était passé donc d'accord mais je sais pas, je connais pas le plan. Donc vous décidez de rentrer dans la mairie, ouais, avec le TX et puis moi je vais tenter une infiltration par une fenêtre. D'accord. Biggs et Weds vous disent nous on a pas grand chose à faire là dedans les gars, on vous laisse mener votre petite enquête, on va et donc Biggs il va se mettre sur le côté, il garde un œil sur toi Joey, et Weds lui il va rester juste à côté de la porte là. Donc hop, vous décidez de rentrer dans la mairie. En gros les gars là c'est que vous jouez les gars bourrés. D'accord, très bien. Si tu dis pas ça à Striker, Striker va comprendre. Ouais, pas que Striker. C'est quoi un mec bourré? Jamais été moi. Non, c'est l'état de d'habitude. T'inquiète, on fait comme d'habitude. Quand vous entrez. Striker, c'est terre comme d'habitude. Quand vous entrez, de suite, vous voyez donc une jeune femme qui arrive vers vous.
Et au moment où elle arrive à peu près par là, elle dit « Ouh là là !» Et puis, elle se... vous voyez qu'elle passe sa main devant son nez, et puis elle reprend un petit peu, tu vois, son air d'hôtesse d'accueil, et puis elle dit « Messieurs, puis-je vous aider ?» Et bonsoir. Oui. Bon, bonsoir, madame. On va... Oh putain, non, mais je sais pas. Non, mais sérieusement, on va faire les mecs bourrés, bon. C'est un peu le but, hein. Allez, au boulot. Et puis, alors, avant que vous... Alors, donc, vous avez juste dit bonsoir, et puis vous voyez qu'elle fronce les sourcils, et puis elle dit, mais attendez, vous êtes les soldats de la NFA. Oui, on sort d'une soirée un peu arrosée. Ah, je vois que l'alcool au sein de la NFA n'est pas prohibé, c'est bien. Non, c'est parce que vous croyez. On a. Je m'approche d'elle et je lui mets la main au cul. Quoi? Et là, en parlant des trucs intéressants. C'est notre médecin, il fait un test. Mais... Ok, alors, on se faire rectum. C'est bon. T'as une auscultation médicale. C'est ça. Je fais un toucher rectal à votre âge, c'est obligatoire. Alors, c'est pour la prostate, c'est dans quoi? Pardon. Sortez votre sexe. Non, mais. Non, il fait... Tu fais ça vraiment? Oui, oui, je fais ça vraiment, là. Oh, putain. Riker, il fait... Ah, mais oui, on cherche de la vieille compagnie pour... Au moment où... Au moment où tu fais ça, elle t'empoigne la main, et tu sens que... tu sens que si elle serre trop, le sang ne passera plus du tout et plus jamais dans ta main. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Et elle a toujours son sourire, hein. Elle a toujours son sourire. Laisse-toi faire. Le mec à côté, le mec à côté s'approche et dit un souci, Alicia. Et donc elle lâche ta main, elle recule de un tout petit pas et puis elle dit non, ces messieurs venaient nous voir pour du travail, je pense. Oh, ben non, on cherchait de la compagnie. Fais tourner une fesse, t'en as deux. On a deux fesses, là. J'aimerais bien toucher la deuxième. Non, mais moi je pense que mon personnage est chimiquement en train de crever de honte. Vous le voyez, il s'assoit un peu sur les marches, comme ça, genre... Puis, tu sais, il veut pas participer. Donc non, elle s'en tient à ça. Elle attend quelque chose. Donc elle dit mais à part de la compagnie que je ne vous donnerai pas, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On était vraiment rentrés parce qu'on a trouvé la belle maison cossue. On s'est dit que il y a une belle soirée ici. Il y avait de la lumière alors. Et puis la lumière et puis voilà. Il y a du monde. Hein, regarde, il y a même le monsieur là qui vient nous dire bonjour. Et donc lui il répond juste mm-hmm. Et donc Alicia elle s'approche comme ça tout doucement de Stryker et dit dites-moi super mutant vous êtes un combattant non? Oui Stryker combattre. On aurait besoin de le maire aurait besoin de d'hommes comme vous. Alors donc là elle se tourne et elle prend un air méprisant mais au plus possible vers Alan. Elle dit alors les gens dans son genre, on n'en a pas besoin, bien entendu. Ils sont inutiles. Oh, allez, et donc, elle se retourne et elle dit, par contre, nous aurions bien besoin d'hommes de main pour une mission. Si vous le permettez, je vais vous accompagner devant le maire. Elle sent ta respiration dans la nuque. Elle sent ta respiration dans sa nuque. Vu la taille du token, je crois qu'elle sent la respiration au niveau de son sa troisième vertèbre, genre. Bon, écoute, passe-partout, tu vas arrêter de me cacher les couilles. Et donc elle t'écrase avec son talon.
Donc, de quel genre de travail est-ce qu'on est en train de parler là? Écoutez, messieurs, je sais que vous faites partie de la NFA et je sais que vous êtes ici pour faire des petits boulots. Moi, ce que je vous demande, et donc elle s'approche de toi, Dani, et tu vois vraiment que c'est une femme qui en impose. Hein, elle a beaucoup de charisme. Et donc elle te dit, écoutez, je vais vous conduire devant le maire, il vous en parlera mieux que moi. Ça vous va? Elle a 95 C en charisme. Ok, moi je vais juste jauger du regard. J'ai juste jaugé du regard un peu la pièce. J'aimerais juste voir un peu l'attitude des gens. Genre, j'ai pas spécialement confiance en elle, tu sais. Genre, Ok. Comment est l'air dans la pièce? Fais-moi un jet d'intelligence. Alors, ça, c'est l'arrivée de deux par une fenêtre. Je peux faire un jet de chance pour savoir si je peux lui toucher la deuxième fesse? Sans qu'elle me casse le bras. Enfant. C'est littéralement l'arrivée de Joey par une fenêtre en publicitation. Ce que je viens de faire. D'accord. Alors attends, je vais chercher ton personnage et tu vas casser une vitre. J'arrive. Ok. Et là, et tous les mecs vont vers la vitre et nous on peut monter discrètement. C'est bon, on a trouvé le maire. Mais je comptais vous y emmener, vous êtes complètement. Ça, c'est qu'on fait que du forcing alors que ça se trouve, fallait juste dire bonjour, ok, on prend le travail, salut. C'est ça. Donc en fait, alors les autres, vous entendez un bruit de. J'ai fait. Un bruit de verre cassé. Donc dans la pièce ici, là, vous entendrez un bruit de verre cassé. Et donc, Joey, tu déboules dans la pièce en plein milieu, il y a du verre partout, tu renverses les fauteuils. Et il y a les deux là qui se tournent, ils étaient en train de ranger de la paperasse, tu vois. Les deux, ils se tournent. Je me frotte là. Vas-y. Ils se tournent et puis ils te regardent, mais ils comprennent pas ce qui vient de se passer. Ils sortent pas d'armes, ils te regardent juste. Ils sont effarés, ils comprennent pas. Ils te regardent. C'est toujours pas les toilettes ici. Non, mais il se relève, il fait sa veste, il fait une entrée en bonne et due forme. Merde! Et après, il ressaut par la fenêtre. Je vais tenter le ressaut par la fenêtre, du coup. Parce que... en toute précipitation. C'est le gars. Ah, merde! Il ressaut. Et donc, tu fais quoi? En fait, les deux là, ils ont juste vu ça, et puis ils attendent. Qu'est-ce que tu fais? Bah non, du coup je vais dire merde, mais. Pas de soucis, tu peux juste dire ça. Et donc. Vos toilettes sont difficiles d'accès. Et puis je vais tenter de me barrer par la fenêtre. Vraiment. Le ridicule. Donc en fait, tu arrives même pas. En fait, vu l'échec que tu as fait, tu arrives même pas à partir. Les deux là, ils t'attrapent directement. Non. Ils t'attrapent directement. Non. Et ils te conduisent dans le hall directement. Mais lâchez-moi. Je vous préviens, je vais vous casser la gueule. Et du coup, en fait, en fait, ça arrête la situation là, en plein milieu du truc. Et puis donc, Alicia, elle se tourne, donc parce que les mecs, vous voyez, ils poussent la porte d'un grand fracas et ils disent, putain, il y a un gamin qui est arrivé par la fenêtre. Et puis Alicia, elle se tourne et elle a un grand sourire et elle éclate de rire. Elle éclate de rire. Attendez, pause. Est-ce que le bot il s'enflamme pas en voyant son maître se faire asticoter là? Alors non, du coup, il s'enflamme pas, mais direct. La fin. Hein, oui. Il vient. Maître, vous êtes dans de beaux draps, à ce que je vois. Donc ton bot. Voilà le monde, petit voleur. Rends-moi mon portefeuille. Quelle ordure. Tuez-le. Je mets une table à la tête pour l'assommer. Je le cale sur mon épaule en disant je lui réglerai son compte plus tard. Quoi? Ouais, je fais genre je l'assomme, mais je l'assomme pas pour de vrai. Tu fais semblant d'assommer. Espérant qu'il joue le jeu, évident. Ouais. Okay. Ah bah, je te mettrai un coup de coude dans la nuque quand même quand j'aurai l'occasion. Quand j'en aurai l'occasion. Je te fais pas faire de jet. Donc les deux, ils s'écartent un peu. Ils disent, vous connaissez ce gamin?
Je m'en occuperai plus tard, il m'a volé mon portefeuille, sale gosse. Et donc Alicia, elle arrête de rire. Fais lui faire un jet de supercherie au super mutant. Alors, c'est quoi, je me pisse dessus. Mais sur le super mutant. La dignité est morte. J'ai perdu tout sens de l'honneur. Alors moi je m'en fous, c'est RP. Genre j'avais envie de pisser et là du coup j'en profite pour me manger, je me pisse dessus. J'accepte pas qu'on me mette une petite claque derrière la tête. Ah, c'est une petite claque de super mutant quand même, mais. Ah, du coup, je lui pisse dessus, vas-y, je fais pas les couilles. Alors, par contre, c'est pas bête, Dany, je vais faire un jet de bluff à Striker. Compétence, foutage de gueule. Alors, donc, tu fais une compétence. Donc, en fait, tous les deux, vous me faites un jet effectivement de discours. Un jet de bluff. Donc, bah, moi, c'est un jet de. Vanilla, peut-être, oui. Charisme. Donc c'est charisme, oui, tout à fait. Charisme plus discours si vous avez... Est-ce que le fait que je sois avec un Borsalino super classe, ça rajoute du charisme sur le fait que je me pisse dessus ou ça se passe comment? J'ai plus de charisme pour me pisser dessus avec un Borsalino. Je trouve que ça en jette plus. J'ai fait 14. Ouf. Le Borsalino qui sauve la situation. Donc tous les deux, effectivement, vous jouez très bien la scène. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Vous jouez très bien la scène et les deux autres y croient et disent « Ah, ces putains de voleurs, là, on n'aime pas ça, nous, non plus. Là. Si ça tenait qu'à nous, on le fusillerait, mais bon. » Mais du coup, l'auteur de la... Eh bien, justement, j'ai une Winchester. Si je vais se là-bas, j'arrive à tuer le môme qui est derrière moi. Hein. Et donc, par contre, Joey, ouais, donc Joey, tu fais exprès de te pisser dessus, tu en mets un peu, donc t'as fait un petit jet, tu en mets un petit peu sur Striker et tu en fous surtout par terre. Et les mecs, quand ils voient safe, oh le putain de dégueulasse, regarde ce qu'il est en train de faire, foutez-moi ça dehors. Je suis surtout inconscient, quoi. Moi j'avais quand même fait 19 sur mon jet pour évaluer un peu l'état ambiant de la salle, comment les gens nous regardaient. Je suppose que maintenant, même avec 8, je me doute que tout le monde nous dévisage et tout le monde nous regarde, quoi. On est d'accord là-dessus. Ah oui, non. Là vous sentez que l'ambiance est en train de se... Ça sera fermé, comme on dit. Mais je suis toujours sous couverture. J'ai pas perdu ma couverture. Mais quelle couverture, quoi. J'ai perdu ma dignité, mais pas quoi. Dans tout ça qu'il est avec nous, c'est bon. Dans tout ce bordel, vous voyez arriver un mec qui descend des escaliers en costard, cravate, qui descend et qui arrive un peu furax. Ah. Et qui dit: qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde. Alors, bonjour, monsieur Dominique Strauss-Kahn. Et donc, en fait, quand le maire... C'est vrai, il y a un air de ressemblance. Avec la petite barbe de Chicanos. J'étais tranquillement en train de me taper ma femme de ménage. Putain, bon, bon, ta putain de femme de ménage, elle nous cache les couilles depuis tout à l'heure. Quand le mec arrive et qu'il dit ça, vous voyez les soldats, enfin c'est les soldats, les hommes de main, qui s'écartent directement et qui vous voyez qu'ils baissent la tête, mais carrément, ils baissent tous la tête, ils s'écartent. Même Alicia, elle change de tête, carrément. Alan, toi qui étais en train de la reluquer, tu le vois directement, elle change de tête et elle se recule. Ah merde, je voulais mettre la main au cul, moi. Et donc il arrive devant vous, devant Striker qui porte un gamin qui a pissé par terre. Et il voit ces personnages là, il voit des mecs un peu habillés bizarrement. Enfin, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais Alicia, pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu me laisses tout seul? Mais... Non, bon, les blagues les plus courtes sont les meilleures. On est de la NFA, on est venu... Apparemment, vous auriez besoin de main-d'œuvre, j'ai cru comprendre ça. Vous êtes de la NFA? Oui. Bon. Écoutez, oui, j'ai besoin d'aide, oui. J'ai un très très gros problème. Mon fils a disparu. Ça fait plusieurs jours que je l'ai pas revu, et écoutez, je suis inquiet. Je me demande si ce serait pas cette espèce d'enfoiré de Mike qui l'aurait pas pris.
Je pense que c'est Mike qui l'a kidnappé. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait kidnappé ce gosse? Écoutez, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que... En fait, Bran s'est mêlé un petit peu au trafic de Mike et il voulait tout balancer. Et à mon avis, il a dû, je sais pas, il a dû le choper et ils l'ont capturé. Il a l'air de me baratiner ou pas du tout? Il a l'air comment? Il a l'air panique. Enfin, inquiet. Il fait inquiet. Fais gaffe, c'est un politicien. Je sortais de ma douche, je ne savais pas qu'elle était là. J'ai glissé. Donc il vous bien. Dit je suis persuadé qu'il a été kidnappé par cet enfoiré de Mike là. Je suis sûr que c'est à cause de cette histoire de Jet là, ça lui a pourri la vie et maintenant il faudrait vraiment aller le chercher, je vous en prie. Moi j'ai beaucoup trop de boulot ici. J'ai essayé d'aller chez ce Mike là. Ils m'ont tiré dessus dès que je suis arrivé là-bas. Et pourtant vous avez une certaine... Je balaye la salle de regard. J'ai une certaine force de frappe. C'est pas... Oui, mais ce sont des hommes de main. Ce sont pas vraiment des soldats. Dans cette phrase là, tu sens que par contre. Il vient de passer, il passe à côté d'une info. Je vais pas faire de jet de quoi que ce soit. Tu le sens directement dans le ton de sa voix. Ouais, il essaie un peu de me prendre pour un jambon, quoi. Ok. Je veux hausser un sourcil. Je vais lui dire. Et donc, du coup, vous êtes en train de suggérer que moi et mes amis, on allait chercher chez ce Mike votre fils, c'est ça? Donc, il s'approche de toi parce que, apparemment, tu es. Voilà, tu es un peu le porte-parole. Parce qu'il y en a un qui est évanoui dans la pisse, l'autre qui est un super mutant et l'autre qui joue le pervers, super. Vous me direz, je dois puer l'agneau. Négocier avec le robot. Tu es le plus charismatique du groupe à l'heure actuelle. C'est ça. Surtout grâce à l'alcool. J'avoue, tant qu'il était là-bas, tu sais, il me trouvait genre, ça allait la discussion. Quand il s'approche là, il fait oh putain. Et donc effectivement, en fait, il a un petit, il s'essuie un peu le nez comme a fait Alicia, tu vois, en arrivant là. Et tu sens que c'est le mélange de l'alcool et de la pisse par terre qui le font sourciller. Et donc il s'approche de toi et il te dit: écoutez, vous êtes de la NFA, vous êtes venu dans notre ville, c'est pour nous aider, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Retrouvez mon fils et je vous aiderai en retour. Je sais que la NFA a besoin de moyens, a besoin de plein de choses. Très bien. Très bien. Ouais, la NFA a besoin de plein de choses. On va aller chercher votre fils. Et derrière, vous allez avoir une petite discussion avec notre responsable. Il n'y a pas de souci, je connais le sergent Parker. Je ferai... Vous inquiétez pas. Je discuterai avec lui. Bien. On va... Donc... Donne la capsule. Striker, parle des capsules. Je fais des petits coups de coude dans sa nuque. Il te fait le coup du lapin. C'est ça. Entre deux vertèbres. Du coup, Trent se met au niveau de la table là et il sort une vieille carte et il vous montre sur la carte. Où est située la ville, ce qu'ils appellent le... En fait, c'est une grande villa qu'ils ont bâtie et ils l'appellent le manoir. Le manoir, donc, il t'explique que c'est le repère de Mike et de ses sbires et que c'est un ramassis de riders qui sont toute la journée complètement shootés aux jets, qui sont beurrés, qui font n'importe quoi. C'est vraiment un ramassis. C'est en fait c'est une grande demeure qu'ils ont en fait où ils se sont installés tout simplement et depuis cette bâtisse ils opèrent dans le coin en fait. Donc, okay. Ils vous montrent en fait c'est en partant vers le nord
quand il vous pointe très exactement où c'est, parce que lui il s'y est rendu, hein, comme il vous a dit, vous voyez qu'en fait c'est après la route 33 que vous avez déjà emprunté, là où vous aviez, démasqué l'embuscade, hein, si vous vous rappelez. Donc effectivement, le soldat que vous aviez interrogé là-bas, vous n'avez pas menti, c'est un petit peu plus honneur que ça. Enfin voilà, il y a cette grande bâtisse qui s'appelle le manoir. Donc moi je m'approche du maire, et je lui demande comment je suis même à occuper. C'est cadeau. Mais on a une fesse. Et lui il fait pareil. Je lui demande, je lui pose une question, j'ai dit comment ça se fait que la situation dans le village s'est aussi dégradée. Comment aussi désastreuse. Ouais. Aussi désastreuse, et puis que la mairie elle est aussi opulente, et puis comment ça se fait qu'à l'extérieur c'est... Parce que, écoutez, je ne peux pas tout gérer tout seul. Le problème de Jet, ça vient de cette espèce j'ai d'enfoiré de Mike. Là. Comment ? Il dit, j'ai pas assez de pot de vin, les gars. Mais... Il dit donc... écoutez, je peux pas m'occuper de tout, et je sais que le Jet est un problème. Hein. Ça, vous prêchez un convaincu, là. Mais malheureusement, Mike et ses sbires, là, ils sont partout. On est obligé de les repousser tellement... Enfin, voilà, ils viennent délivrer ce Jet, là. Un coup c'est la nuit, un coup c'est le jour, on sait plus comment en faire avec eux. C'est très compliqué. Donc son discours est très sincère, vous sentez qu'il a tout fait en fait pour arrêter le Jet dans la ville. Il est très sincère. Ouais, bah, même si moi... Non, je déconne. Moi de mon côté, je garde dans un coin de ma tête que je... Moi, étant habitant du coin, j'ai pas une excellente image de lui. D'ailleurs, okay. En partant, il le regarde et il fait « J'ai voté pour votre concurrent !» C'est avec les gros nibards. Non, je vais juste lui dire... c'était pas moi qui parlais, c'était Alan. C'était Alan, ouais. Donc... Je sais pas si t'avais fini, Alan. Ouais. Bah écoute, moi je suis vraiment, personnellement, je suis sur ma réserve avec lui. Donc j'ai pas... Est-ce que je dois faire un jet ou... ton perso il se tient le menton, c'est exactement pareil c'est que ça, le token. Et, non, là, il est là. Non, là je suis... Est-ce que ses fesses sont fermes ou... Je me pose la question. Allez, c'est là où il fait des squats, ça se sent. Hein. Elle squatte bien. Hein. Donc, je vais lui dire juste pour clore du moins, enfin je pense cette discussion là, sauf si mes carrés veulent intervenir. Gagne quoi dans l'histoire, Trent, un élément de poids pour négocier, je pense, Alan. Oui. Non, négocier. J'ai entendu élément de poids. Oui. C'est pas quoi, Trent. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a gagné si on vient récupérer votre fils? Parce que comme vous savez, on fait pas ça gratuitement, même ni pour la MFA. C'est fort. Là, t'as du réseau qui est en ni pour la MMA. Que ce soit la FIFA, la NHL, la MMA. Par contre, pour la Massif. La MMA. Il dit, écoutez, c'est ce que je disais à votre collègue. Je sais que la NFA a des besoins, que ce soit en termes de... En termes pratiques, je sais que vous avez besoin d'armes, besoin d'armure, besoin de vivres. Vous avez un petit QG, mais je sais que vous êtes une force de frappe qui n'est pas non plus inconséquente. La NFA a aussi, je vais le couper au milieu de sa phrase, quand il commence à évoquer des trucs genre qui sont purement matériels, tu sais, des vivres, des machins et tout, je vais le couper dedans. Et je vais dire la NFA a des besoins aussi moraux et des besoins de bien-être pour les gens de ce village. Et je vais le regarder droit dans les yeux, tu sais, quand je vais lui dire ça. Et donc il te fixe à son tour, il te dit « Évidemment que notre ville a besoin de bonnes personnes. » Et il reste droit dans les yeux, sans bouger. Bien. Si nous sommes d'accord sur ce sujet-là, est-ce que les hommes... Et puis il rajoute, enfin, il se retourne vers Alan et il rajoute « Et puis... moi, je pourrais bien aussi demander à ce que quelques-uns de mes hommes de main rejoignent votre
petite bande de la NFA, si vous le souhaitez. Vous ne croyez pas si bien dire, je pense qu'il y en a qui vont nous accompagner chez Mike. Donc là, quand tu dis ça, il se retourne, là par contre il a un petit mouvement, pas de colère, mais voilà. Écoutez, mes hommes sont bien plus occupés, je sais que la vie de mon fils est en jeu, mais là je ne peux vraiment pas les détacher. Mm-hmm. Ah ah, parce qu'ils sont attachés. Mais... moi je peux les détacher, t'es là. Enfin, t'as compris. Je suis surpris, t'sais. Pas un seul. T'sais, la fille, on parle d'aller chercher votre fils, hein. Bon, écoutez. Qui c'est qui pointe avec ça? <C'est>... Est-ce qu'on peut emmener cet homme demain là? Il a de la poigne. Et donc il appelle Alicia. Alicia s'approche. Elle dit oh. Oui Trent, oui monsieur le maire. Alicia, vous allez accompagner ces hommes chercher mon fils. What? Il s'appelle comment en fait son fils? Sérieux lui? Non mais il est sérieux le gars. Mon fils elle l'appelle Trent ou elle l'appelle monsieur le maire? Monsieur le maire, pardon, c'est moi okay. Qui l'ai fourché. Et donc en fait donc elle est pas plus étonnée que ça. Elle dit bien sûr monsieur le maire, je comprends, mais vous êtes sûr que au niveau administratif ça va aller? Donc lui oui, évidemment, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire sans vous, je sais que c'est, voilà, vous êtes là, une pièce maîtresse, mais voilà, j'ai besoin de vous, Alicia, accompagnez ces hommes et retrouvez mon fils, je vous en supplie. Donc, ok, elle, mais... Elle opine du chef et elle se tourne vers vous. Bon, c'est quand vous voulez. Et vous la sentez déterminée. Je la regarde, genre... je cherche à voir si elle est armée, tu sais, de là où je suis. Genre, Ah, tu peux faire un jet de perception. Vas-y. Ok. Il y a une énorme forme sous son pantalon. J'espère que c'est un flingue, pitié. Perception, c'est là. Et là, elle se présente à toi. Salut, je m'appelle Alicia. Je m'appelle Alicio. Quoi? J'ai fait 11. D'après toi, non, elle porte pas d'armes. Et tu sais pas trop. Non. Tu vois pas d'armes, elle a pas de. Oui. Y a pas de holster, il y a pas de. Voilà. Vous comptez nous suivre dans les poches ou. Je retourne vers Dani et je lui dis. T'inquiète pas, elle doit être. Elle doit être très bonne au corps à corps. Avec un... C'est. Bon, personnage, il facepalm, tu sais, genre. Super gêné, tu Putain, ce doc pervers, quoi. Donc, quand elle entend ça, tu vois, elle secoue juste la tête tout doucement, elle fait. Je vais, tu sais, moi, je vais me mettre entre les deux, je vais lui mettre la main sur le dos amicalement, tu sais, je vais dire, bien, sortons, je suis, et tout bas, je vais lui dire, je suis désolé. Et là, les bijoux, elle dit, donc, quand tu lui dis ça, elle te dit, oh, vous en faites pas, j'ai l'habitude des lourdingues, ne vous tracassez pas, je sais comment les prendre. Moi aussi je suis comment prendre dans le gros poste, c'est ça.